dire, ce soir, je viens jouer au loto. Attention. Chaque vestiaire, le dernier qui sort, il ferme, il n'aura même pas plus. Je vais mettre en short et t-shirt. Tu t'es même tenu de jouer au football. Oui, mais est-ce qu'on va faire. Ah, je ne sais pas, on va voir avec Johan, c'est lui le chef. Je vais éclairer. Alors, comment on voit les sons de la veine là, les sons de la rascasse là. C'est la reprise, la rascasse. Montre-moi là, c'est belle, c'est beau pied là. Et là, putain, on a qui là? On a Usain Bolt. Le Usain Bolt du Sporting là. Qui est confédéré que son nom, comment il s'appelle le son de la veine là. Bien. Quoi? Comment est-ce qu'elle sort de la veine là? Viens la rascasse? Quand des saisons? Quand des patrons? Ouais. Ok. C'est toi, Amigo là, toi. Comment est-ce qu'elle sort de la veine là? De la terre, viens? Prêt pour une belle reprise? Ouais. On va vous regarder tout à l'heure le sang, hein? Et voici Cristiano Ronaldo. Au Sporting Toulon Bar. Il prépare ses chaussures, ça c'est une marque de la Juventus. Comment est-ce que Cristiano? Bello, bello. Après, vous n'avez pas les tannins de français en champion, non? Les champions des bandeaux, là, non? Hein? Ah, et voilà, voilà, oh là là, ça c'est le king, ça. Comment il va? Comment il s'appelle, ça, le son de la bête, là? Il s'appelle David. Abby. Ah. Comment tu vas? T'as quel poste? T'as la poste, la porte centrale ou j'étais attaquant? Ah, bien. Ah, oh, vous avez marqué des bons buts, hein. Cette année, je vous suis les 100, hein. Alors, attention, hein. Il faut que la rascasse, elle brille, hein. Elle pique à chaque match, hein. Ronny se blesse le. Toi t'es gardien? Non. C'est la reprise? Ouais. Alors comment ça se prépare cette reprise dans la tête? Bien. Content de retrouver tes potes? Ouais. Ouais. Bien pour le ballon? Ouais. Ok. Écoute, on va te souhaiter une belle reprise. Hein. Tu joues à qui jouer? Bah, je joue toujours là. Nouvelle saison, le sang? Ouais? T'es prêt pour quelque chose de magnifique? On compte sur toi, hein? Ok, moi. Ouais, tu vas l'acheter à machin, Lidl. Salut! Tu fais 2 mètres, tu fais 2 mètres, tu connais pas, il n'y a pas besoin d'en avoir 50. Allez, rapprochez-vous un petit peu les gars, levez-vous, comme ça on va se présenter pour tout le monde. Donc on va vous montrer l'exemple, on va se présenter individuellement pour que vous puissiez avoir le prénom de chaque éducateur qui va s'occuper de vous aujourd'hui.
Donc moi c'est Johan, je suis le responsable de la catégorie 15 ans. C'est ma première saison à Toulon, hein. J'étais à La Valette avant. Sur ces deux premières semaines de travail, on va être en commun, donc tout le monde va venir ici, tout le monde va participer à la séance. Vous allez avoir affaire à vos éducateurs par la suite. Pour l'instant, on travaille en commun pour que tout le monde puisse reprendre un rythme à peu près correct. Et puis après, on travaillera de façon plus individualisée. D'accord ? S'il y a le moindre souci, que ce soit dans la séance, à l'extérieur ou des choses qu'on doit savoir, je veux que vous m'informiez. D'accord ? S'il y a des dates d'absence à partir d'aujourd'hui, je veux que vous m'informiez. S'il y en a qui partent en vacances, fin du mois, qu'on puisse s'organiser. Donc ça, en fin de séance ou en début de séance, vous venez de me voir. D'accord ? Ensuite. Moi, c'est Christian. Donc je m'occupais des gardiens jusqu'à U15. Donc là, cette année, eh bien, on va voir. Autrement, je serai dirigeant avec un des entraîneurs. Jamendi, donc j'aurai les excellences. Et l'année dernière, donc j'avais l'équipe 1, les promo ligues. Vous êtes là pour bosser, donc c'est Johan, même ceux qui me connaissent depuis longtemps, en U12, en U11, U13, tout passe par Johan. Hein, c'est Johan le responsable de catégorie. Et nous on est là que pour exécuter pour la bonne marche des équipes. Il y aura normalement Lilian avec moi et un troisième à venir. Flo. Donc j'étais en U13 l'année dernière, la plupart vous me connaissez. Donc moi j'aurai en charge la pré-excellence. Voilà. Donc le but c'est qu'il y ait une osmose entre tous et que tout le monde ait des résultats, donc ce qui entraîne de la rigueur pour tout le monde. Voilà. Tito. Moi c'est Tito, je suis l'adjoint de Ben Flo, qui lui fait la même pour cette année. Et c'est ma première année aussi. Bon. Allez, ensuite on va. Ouais, les gars, un truc, j'ai peut-être une mauvaise habitude, c'est que je parle haut. On dirait que je crie, que j'engueule les gens. Non, c'est une façon de parler qui m'est propre. Donc c'est pas pour tomber sur le gars. J'aime bien parler fort. Déjà, je suis sourd, donc automatiquement je parle un peu plus fort. Et donc vous m'entendez crier, mais c'est pas dans le sens de la méchanceté. C'est que vous percevez bien ce que je peux vous demander. Hein? Il n'y a rien de méchant là-dedans. Avant de vous donner la parole et que vous puissiez vous présenter individuellement, on va vous laisser un peu le temps de réflexion, du temps que je termine. L'objectif du club, il est de figurer dans le haut de tableau en 15 ans. Hein, je ne sais pas si vous êtes un peu rencardé sur le niveau des autres équipes au club, mais l'équipe 15 ans, la catégorie 15 ans, c'est la catégorie un peu tâche du club, hein, c'est-à-dire qu'on est au niveau district, que toutes les autres catégories sont au niveau régional. Ben, l'idée, c'est de changer la donne. Donc on veut, et on insistera sur ça, sur la cohésion, que ce soit des joueurs du groupe 1, du groupe 2, du groupe 3, parce que on pense que la qualité, elle est exploitée à 100% à partir du moment où il y a de la cohésion entre les joueurs. D'accord ? Donc sur ça, on sera vigilant sur votre comportement, votre attitude. Ne soyez pas dans le jugement, soyez plutôt dans le partage, c'est un sport de partage, et c'est comme ça qu'on avance. D'accord ? Donc on va attaquer les présentations. Deux petits mots, au moins le prénom. Mon prénom, c'est T'es joueur et t'étais au club l'année dernière. Parlez fort les gars, comme ça tout le monde peut entendre. N'ayez pas peur. Je m'appelle José. Attends. Comment il s'appelle? Je sais pas quoi. Eh ouais. Et c'est pas pour te juger, c'est juste qu'on a besoin que tout le monde s'entende. Donc voilà, à la limite rapprochez-vous. Rapprochez-vous s'il faut. Hein. Et tendez l'oreille parce que c'est important. Juste le prénom. Au moins le prénom c'est la base. On reprend du début. Je m'appelle Elias. Ouais. Je m'appelle José. Je m'appelle Maël. Fabien. Fabien, tu viens d'où? T'es nouveau, t'es à tenue, mais t'es nouveau. Précisez quand vous êtes nouveau parce qu'il y a certains visages qui sont familiers, d'autres qu'on connaît pas. C'est bien de préciser. Elias, t'étais au club l'année dernière? T'étais au club l'année dernière? Oui. Oui? Je venais étaler les jeunes par la France. D'accord. Moi. Oui. Abdel. Nouveau joueur, tu viens de? De D'accord. Sabri.
Liliane. C'est lui. Erwan. Adi. Daniel. J'ai eu de raison. Et Liman, il vient de Dijon. Donc ce jeune homme, on le fera après, hein, qu'il ne soit pas surpris. Il vient reprendre avec nous, mais son grand frère a signé en 19, il repart, c'est ça, dans 2 semaines. Donc il était ici, plutôt que de rester à la maison, il vient s'entraîner avec nous. Franche-Marie, nouveau. Nouveau, de la scène. Fabien. Stéphanie. Anas. Tony. Iris. Bon, voilà. Oui. Allez, on a à peu près fait le tour. On va être de plus en plus nombreux, ne soyez pas surpris par le nombre. Il y a plein de jeunes qui sont en vacances, donc ils vont revenir au compte-gouttes. L'idée, c'est, comme je vous ai dit, d'essayer d'instaurer un maximum de cohésion. Il en manque un qui ne s'est pas présenté. Excusez-moi. Joris. Voilà. D'instaurer un maximum de cohésion, donc de parler entre vous, mais c'est aussi de travailler. Et on est sur des phases de travail individuelles qui vont vous servir à vous, à vos fonds propres. Donc, n'hésitez pas à être concerné sur ce qu'on va vous demander. Hein, sur les premières 10 jours, par exemple, on va vous demander d'être en mouvement. On ne va pas vous demander d'être en mouvement à 100%, 200%, mais d'être en mouvement pour l'instant. D'accord ? Donc chacun a son rythme. Après, c'est à vous. Hein, au plus vous vous sentirez à l'aise, au mieux ce sera. Bonjour. Jeune homme, viens voir. Ton prénom, c'est ? Kylian. Voilà, on est en train de faire les présentations. Qui vient du Racing, c'est ça ? Oui. Et qui est un poil plus petit. U13, deuxième année. Donc, il va refaire la reprise avec nous. Ok ? Est-ce que vous avez des questions ? Il y a des joueurs, Ange-Marie en fait partie, qui ont été blessés, qui reviennent de blessures. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Lui, m'a prévenu. C'était quelle blessure ? Le doigt. Le doigt. Donc là, pour courir, ça devrait aller. Oui. On est bon. Donc pas spécialement besoin de faire un programme particulier. Pour Ange-Marie, ce sera juste footing ce soir, on voit ce que ça donne. Et les autres, ben, on va partir pour la séance. Ok ? Habib, allez, mettez-vous là-bas avec sa boue. C'est 7. On va continuer ? Là-bas, c'est des bassins sans ballon là-bas. Non, là, moi, pour là-bas, c'est la conservation. Et là-bas, non, donc là, t'en as deux, mais là-bas, c'est ballon. Non, c'est sans ballon là-bas. Moi, c'est le plus. Ici, ouais. C'est cher. Ah, le début, c'est un peu bébé, ça va. Si ça dort bien, si ça n'a pas de problème avec le lit, ça sera.
Au-dessus. Ah bon, pas les deux. Ouais, un vestiaire. C'est ça. Vous êtes là. Vous allongez la poulet. Ok. Allez, encore. Allez, voilà, allons. Allez, encore un. Allez, ok, vous allez au robinet. Le robinet est là, on est là-bas au WC, on ne joue pas avec l'eau, on met tranquillement et on revient. Eh oui, personne ne peut la détacher. Toi aussi. Voilà, comme ça. Allez, on écoute. 1, Joris, 2, Abby, 3. Vous mettez derrière les chaises jumeaux orange. Vous les prenez pas les chaises jumeaux orange. 1, 2 et 3. Vous prenez les chaises jumeaux orange. Derrière les chaises jumeaux orange. Restez là, vous irez vous mettre comme je le dirai en place dans le carré du fond. D'accord. 1, 2, 3, et ça va. Vous les mettez. 1, 2, 3, ici.
Je vais mettre un chasuble. Allez, chasuble rouge et deux autres chasubles rouges aussi. Tiens, prends. Donc, rapprochez-vous un tout petit peu. Là, les six joueurs que j'ai annoncés, c'est un groupe, d'accord? Vous avez vu, on a fait 4 ateliers. 1, 2, 3 et 4. Vous allez travailler pendant 6 minutes dans un atelier. Chaque atelier a son thème. Au bout des 6 minutes, coup de sifflet. On va de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 1. Quand on a fait la rotation complète, pause, on va voir. L'objectif aujourd'hui, c'est que tout le monde court. Dans votre atelier, je veux voir personne marcher, personne arrêter, on trottine. Si on sent qu'on peut faire un peu plus que trottiner, on le fait. Si on sent qu'on n'est pas prêt, on ne le fait pas. D'accord ? La seule particularité, c'est que pour passer des ateliers qui sont sur la partie largeur du terrain, d'accord ? On doit faire un crochet par la coupelle jaune. Donc quand je suis dans le groupe 1, que je vais au groupe 2, ou à l'exercice 2, je dois passer derrière la coupelle jaune pour agrandir un tout petit peu la distance. D'accord ? Quand je suis de 3, que je passe à 4, pareil, hop, je passe derrière. Quand je suis de 4, que je passe à 1, vu que la distance elle est longue, je trottine, je viens me placer en trottinant normalement. Est-ce qu'on est bon ? Allez, tu vas dans le groupe là-bas au fond, à l'opposé, à l'exercice 3. Habib, vous, à l'exercice 4, hein, Jean. Attendez, on part en même temps. C'est un ballon par équipe. À 5, on change de pied, 3, 4, 5, on change de pied, on revient en course normale et on repart. Voilà. On revient en course normale doucement. Je t'approche de l'appui.
Hein, là, hop, l'appui, je repars là, tac, tac. Des petits pas, hein, sans accélérer. Ok ? Allez. Après, il y en a qui sont plus souples que d'autres. Ça, vers ça, vers ça. Et là, il y a plein de trucs. Hein? Mais essayez de ne pas vous aider avec les... Allez, on fait une tour là. Largeur là. L'exercice que vous allez faire, vous allez le faire dans un sens, l'autre sens, vous reviendrez tranquillement en continuant. Rien de rapide. Vous faites à votre rythme, rien de rapide. D'accord ? Dans 6 minutes, vous n'avez pas de mouvement. Le prochain retour, ce sera talon en fesse.
Allez Fabio, on reste en mouvement, on reste en mouvement. Allez Maël, déplace-toi. Ah Ronan, allez, fais pas piquer, on peut chialer. Allez, on le tient, 30 secondes. On reste en mouvement, tout le monde. Stop, vous regroupez ici, vite, rapidement, les ballons au milieu. Vous mettez en groupe là. Et hop, vous partez là, au milieu, jusqu'à la coupelle. Et après, vous allez à l'atelier de Jean. C'est parti, allez, allez, allez. Alors, l'atelier, il est simple. Ok, c'est une conservation dans une zone à deux équipes. Donc, chaque équipe, elle va avoir un ballon. Ok, au fur et à mesure, je vais rajouter des consignes pour pouvoir que vous réussissiez au mieux les objectifs. Ok, donc les objectifs, c'est se remettre en rythme. Donc, les passes, les contrôles. Ok, je vais à chaque fois contrôle, passe. Je lève la tête pour donner le ballon au coéquipier. Ok ? Ça, c'est les consignes de base. Les rouges, vous prenez un ballon. Les jaunes, vous prenez un ballon. C'est parti. Allez, en mouvement. Le but, c'est de ne pas s'arrêter. Il manque pas un rouge, là ? Si, il est. Ouais, je sais pas. C'est le man. Ok. Dès qu'on a le ballon dans une zone, on essaye de donner le ballon dans une zone opposée. On fait l'orientation et la passe. Je veux voir absolument l'orientation. Je contrôle, je transmets. Je contrôle, je transmets. Je me réoriente s'il faut. Dès que j'ai fait la passe dans une zone, je vais dans une autre. C'est rien, allez. Voilà, bien joué. T'as mal où ? On est à 2 minutes, il reste 4 minutes. Alors pour compliquer un peu, maintenant, stop, je fais ce que je veux, c'est qu'à chaque fois qu'on fasse une passe, je veux l'orientation, la transmission, mais surtout ce que je veux, c'est qu'il y ait une passe entre deux adversaires. C'est-à-dire pour les rouges, je veux une passe entre deux jaunes, et pour les jaunes, je veux une passe entre deux rouges. Ok ? Si on n'a pas la possibilité de faire la passe, on maîtrise jusqu'à ce qu'on ait l'opportunité de la faire. Ok ? Allez, c'est parti. En mouvement. Léo, c'est ça ? Léo ? Allez, Léo, reste en mouvement. Ne reste pas à l'arrêt. Si le ballon est dans cette zone, tu fais un appel dans l'autre sens. Voilà, qu'on puisse te voir. Risse en mouvement, ok, du mouvement. S'il n'y a pas de mouvement autour du porteur, c'est difficile de faire des passes. C'est dur ? Fatigant ou pas ? Est-ce qu'il y en a qui sont fatigués ? Thank you.
Voilà, dès que j'ai fait la passe dans une zone, je me déplace dans une autre. Des passes tout au sol, pas de passe en l'air. Allez, on tient, il reste 2 minutes. Vous devriez vous écarter plutôt que de vous regrouper. Les intervalles seront plus grands. Entre deux intervalles, José, tu ne dois pas la lui donner, il n'est pas entre deux rouges. Tu ne la donnes pas, José. Voilà. Yes, il passe pas. Voilà. José. C'est mieux, tu ne la donnes pas. Merde. Alors, vous allez en face en soufflant. Tranquille, en trottinant jusqu'à en face du tableau. On marche, tranquille, on récupère. Ça sera un ballon pour l'équipe orange, un ballon pour l'équipe jaune. C'est tout à la main. On se fait des passes. Dans les intervalles, les oranges, vous faites une passe à la main entre deux jaunes. C'est-à-dire qu'il faudra qu'un orange soit se mettre entre deux jaunes. Et les jaunes, vous faites des passes à un jaune, et quand le jaune passe entre deux oranges, d'accord ? Ça nous oblige à occuper le terrain, à se croiser, et à se faire des passes dans les intervalles, c'est-à-dire à se démarquer entre les deux. Alors gardez un rythme tranquille, mais en mouvement tout le temps, d'accord ? Ne faites pas à fond la caisse, gardez un rythme tranquille. Allez, c'est parti. 6 minutes. Voilà. Et s'il n'y a personne, voilà, là tu ne la passes pas par exemple, tu vois, tu ne la passes pas. Il n'est pas entre deux jaunes, tu la gardes. D'accord ? Il n'y a pas d'intervalle, tu ne la passes pas. Voilà, tu as pigé. Parfait. Il mieux la garder que la passer pour elle. Le but, c'est surtout de trouver des intervalles. Regardez-vous, il y a un contact avec les yeux. Voilà, là, tu peux la lui passer. Ok, ouais, ça, c'est bien. C'est bon, les gens, vous avez compris. Il vaut mieux la garder, il n'y a pas d'intervalle, c'est bien, vous avez pigé. Voilà, c'est ça. Allez, orange, je vous regarde. C'est pas grave, hein, on récupère. Non, on ne la passe pas là. Là, il n'y avait pas d'intervalle, là non plus, pas d'intervalle entre les jambes, on ne la passe pas. Ah, c'est pas grave, les oranges, on se calme, on prend un petit coup tranquille, il y a entre deux jaunes. Donc, orange, je mets, voilà, là c'est valable, là c'est valable. Ok, là il passe entre deux jaunes, c'est valable. On est d'accord? Voilà, il faut trouver l'intervalle. Là, il est entre deux jaunes, ça marche. Là aussi. Venez bien. Bien, bien les gars. Voilà, tranquille. Gardez votre rythme tranquille. Établissez toujours le contact avec les yeux pour être sûr de la donner, qu'elle ne tombe pas et qu'il soit sûr que vous la lui donnez. On se verra après dans l'exercice suivant, ça sera la même chose avec les pieds. Donc c'est bien de prendre contact avec la main, c'est plus simple. Et avec les pieds, ça sera beaucoup plus propre. Garde ton rythme, je sais que c'est dur pour vous. Je sais que ça commence à être dur, ce troisième exercice. Je commence à être dur. Essayez de garder le rythme. Pas besoin de la lâcher vite. Mais prenez le temps de garder le rythme, de la donner propre et de vous déplacer. C'est comme si on avait le ballon sur le terrain et qu'on ne veut pas la perdre. Et qu'on fasse courir l'adversaire.
Il y a un petit effort, Maël, allez. Allez, continue, allez. Par groupe de travail, allez. Par groupe de travail, là j'ai du mal à distinguer des fois les gars, il y en a ils sont 4, il y en a ils sont... Normalement j'ai 3 rouges, 3 jaunes par groupe de travail. Voilà. Ces deux groupes là. Hop. Mettez-vous les jaunes ensemble, les rouges ensemble. Allez, jaunes et rouges ensemble. Voilà. 1, 2, 3, 4, vous restez en rouge. Allez-y. Vous deux mettez-vous en rouge. Les deux qui sont en bleu, vous enlevez votre chasuble s'il vous plaît. Vous mettez avec les bleus. Les deux qui sont en bleu. Voilà, nickel. Restez comme ça. Allez, le groupe à Bib, on vient par ici. Pareil, tous les jaunes de ces deux groupes ensemble. Tous les rouges, restez debout les gars. Et ça, on perd pas de temps. Tous les rouges et oranges ensemble. Allez, jaune là-bas. Hop. 1, 2, 3. On a occupé un chasuble rouge à la place. Hop. Hop. Le plus grand. Il est sur la tête. Il est plus. Il est plus dans le. Tu vas prendre l'orange. Orange. Non, non, pas orange parce qu'il y a une équipe orange. Rouge. Ah, ouais, rouge, même si c'est. Alors, ça, c'est une propre amas qui change avec. Voilà. C'est okay. Fabio, non. Voilà, nickel. Donc là, là. On va se retrouver avec seulement deux groupes, d'accord? Donc ceux qui étaient là-bas, les deux ensemble. Dans ces deux groupes, il y a trois couleurs à chaque fois. Ici, il y a jaune, bleu, rouge. Ici, il y a rouge, orange, jaune. On est d'accord ou pas? Restez bien, ne vous mélangez pas trop. Voilà. On a fait deux rectangles. Un premier rectangle bleu ici, un second là-bas. Dans le second rectangle là-bas, vous prenez quatre ballons ou cinq. Les rouges prenaient un ballon par joueur, voilà, à la main. Savry prend un ballon, voilà, toi, ça fera le cinquième. Nickel. Et vous allez vous mettre dans le rectangle là-bas, je veux sur le terrain les rouges et les jaunes. Les bleus en appui. Il est long. Là-bas avec